Salut tout le monde, c'est la Minute Ville et aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 sites internet qui vont vous permettre de vous relaxer. Alors l'idée en fait c'est que cette vidéo fait suite à la technique Pomodoro que j'ai présentée récemment sur la chaîne qui vous permet donc d'organiser votre travail sous forme de période de temps. Voilà, et donc entre ces périodes de temps vous avez une période de pause donc qui est généralement de 5 ou alors de 15 à 30 minutes et donc ces sites internet peuvent très bien s'intégrer dans ces pauses de temps pour s'évader un petit peu et puis vous relaxer. Alors bien sûr, si vous avez la chance, la possibilité de pouvoir vous balader à l'extérieur, etc., c'est toujours mieux. Mais voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez utiliser ces sites internet dans toute autre situation. Allez, on commence tout de suite avec le premier site qui s'appelle Do Nothing for 2 Minutes. Donc clairement, il nous demande de ne rien faire pendant 2 minutes. Je pense que c'est faisable. Donc je vais réactiver le son pour qu'on entende un petit peu ce qui se passe. Et donc en fait on a ce bruit de vagues en fait de la mer qui est en fond et on a comme ça un chrono qui plutôt un compte à rebours de 2 minutes qui se lance à partir du moment où on ne touche plus le clavier et la souris donc il faut absolument plus rien toucher et donc voilà et donc comme ça nous oblige à prendre 2 minutes de repos. Site plutôt sympa avec une belle image et puis le son des vagues qui est toujours assez sympa, vous pouvez fermer les yeux, c'est très relaxant. Voilà. Pour ce qui est du second site, alors le second site, c'est en fait le site qui a créé celui-là au tout début, qui s'appelle Calm. Et donc le second site est un petit peu plus avancé. On passe maintenant sur un site avec en fait une vidéo en plein écran. C'est une vidéo que l'on peut changer. Donc on peut aller sur la petite croix en bas à droite et donc on va pouvoir sélectionner d'autres paysages et donc d'autres bruits ambiants. Voilà, donc je peux réactiver le bruit. Et en plus de tout cela, donc on peut très bien laisser cela tourner et puis on peut même mettre ça en ambiance chez soi, ça fait toujours un bruit sympa de fond. Et en plus de cela, alors Calm propose également une application mobile, donc que ce soit sur iPhone, donc iOS ou le Google Play pour Android, mais également des périodes de méditation. Alors c'est pour faire des pauses méditation. Alors c'est plutôt sympa, il y a 2, 5, 10, 15 et 20 minutes. Et donc ce qui se passe, c'est que donc on clique sur 5 minutes et ensuite on a la possibilité en fait de choisir entre deux versions, on va dire. Une version qui va en fait juste nous proposer un timer, donc c'est-à-dire un compte à rebours tout simplement. Et ensuite l'autre version qui est en fait une version guidée. Et donc là on va avoir quelqu'un, donc si je clique sur la version guidée, on va avoir quelqu'un qui va nous parler, qui va nous dire quoi faire. Alors bien sûr c'est en anglais donc ça marchera pour les anglophones. Pour les autres, bah écoutez, vous avez une voix qui vous parle, c'est pas si mal non plus, hein, c'est pas une voix très désagréable à écouter ou à entendre. Voilà, donc là grosso modo il nous dit que voilà, on doit se préparer à choisir la scène que l'on souhaite, mettre des écouteurs bien sûr si on en a, et surtout se couper de toute distraction ambiante et de cliquer sur I'm ready et donc comme ça, comme cela, donc j'avais sélectionné 5 minutes et donc on Welcome a to le this timer qui 5-minute commence et puis on pause a in your quelqu'un qui day. commence à parler en même temps que moi. Voilà. Allow your Donc eyes plutôt to sympa, close. n'hésitez pas à y aller, le site internet est très simple à taper dans la barre de recherche, c'est calm, calm.com. Vraiment très très bien fait avec un choix plutôt sympa de paysage. Voilà. Donc c'était le deuxième site internet. Passons maintenant au troisième site internet. Donc on reste toujours dans des paysages plutôt cool. Donc on est là maintenant sur relax.li. Relax.li propose un petit peu le même principe. C'est peut-être un petit peu plus simple. On a juste une liste en fait sur la gauche et donc comme ça on va pouvoir sélectionner différents types de paysages, types de vidéos. On a vraiment vraiment de tout. Donc là on a les montagnes, on a également un chat qui est en train de ronronner en face d'un feu. Un chat qui a une tête un petit peu bizarre d'ailleurs. Et puis voilà, et puis donc on a aussi le bruit, le crépitement du feu bien sûr. Et puis on a également le son de la pluie, qui est finalement plutôt relaxant aussi. Donc voilà, donc relaxli.li, donc qui était donc le troisième site internet. Et on passe au quatrième site internet, et donc là on reste encore dans la pluie. Et pour le coup, ce site internet est vraiment très 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 simple. Voilà, une image, juste de la pluie en fond, et puis voilà. Donc on peut fermer les yeux, et c'est plutôt relaxant également. Je le laisserai bien encore un petit peu plus longtemps. Donc voilà, donc Rainy Mood.
Et pour le cinquième site internet, on reste sur le même service, ça va être de la pluie, un bruit de pluie en fond, on peut régler le volume ici. Et puis voilà, rien de très très particulier pour ces derniers-là, ils sont plutôt simples, mais voilà, ça, vous avez la possibilité d'avoir comme cela le bruit de la pluie en fond, ce qui est vraiment plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces 5 sites internet vous plairont. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a permis de vous relaxer, ne serait-ce qu'au moins une fois. En tout cas, bah écoutez, je connaissais Calm, mais je connaissais pas les autres, donc du coup, je vais les essayer, je vais les tester, et puis on verra ce que ça donne, en espérant que je m'endorme pas pendant la journée. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, et je vous dis à très très bientôt. Ciao!